Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Dégustabox. Allez, donc on ouvre la Dégustabox du mois de septembre, me semble-t-il. Et il a dit partie de le menu. Allez, tu sais qui pioche en premier? Allez, vas-y. Il y a un, t'as vu un bouchon comme ça là? Alors attends, c'est une compote de pommes Andros, pommes nature. Ouais. Et je sais pas s'il y en a d'autres. Nous, les loups, on adore les compotes, donc c'est très bien, ça va être mangé. Mais pas maintenant, mon pâté. Non, mais il la mange en entier. Ah, c'est cadeau, c'est bisous. C'est bon? Comment elle était? On peut le mettre à la poubelle noire. Oui, mais comment c'était? C'était bon ou moi? Ouais, c'était très bon. À toi. Vas-y, mon cœur. Pioche. Alors, elle pioche des French chips, cuits au four, maxi craquant, finement salé de Belin. Apparemment, c'est tout nouveau. C'est marqué là. Voilà. Donc, a priori, on a deux paquets. Et ce sont deux paquets de 30 grammes. Et c'est finement salé. C'est goût juste salé, en fait. Donc, ça doit être un des chips. Combien ça coûte, ma poule? C'est cadeau, c'est bisous. Encore? Il pioche les cadeaux bisous. Ouais. Allez, hop. Il pioche. Milan. Alors, what is this? Little Miracles Organic Energizer au rooibos, elderberry, ginger, ginseng, agave. Donc, apparemment, c'est une boisson dynamisante, on va dire, avec des super fruits à l'intérieur et du rooibos. Donc, c'est antioxydant. Qu'est-ce qu'ils en disent sur le menu, Xavier, s'il te plaît? Alors, c'est une boisson qui vaut quand même 2,29€. C'est assez cher. Nouveauté Little Miracles renferme un délicieux mélange de concentré de baies, de sirop biologique et d'extrait de rooibos. Une touche rafraîchissante de gingembre, sucrée au sucre de canne et au sirop d'agave, sans colorant, ni saveur artificielle, biologique. Commerce équitable et c'est à boire très frais, donc on va le mettre au frigo avant de le goûter. Non, c'est pas frais. Ah non, mon cœur, il faut le mettre au frigo. Pourquoi? C'est pas bon quand c'est pas frais. D'accord? À toi, mon boudin. What? Alors, elle a pioché des barres de céréales Kellogg's au chocolat, aux amandes, aux cacahuètes. Oh la vache, ça doit pas être mauvais. Donc, c'est des extras de Kellogg's et ça vaut 99 centimes la barre. Bon, ça va. Pour le goûter, par contre, ça doit pas être mauvais, surtout avec les cacahuètes et les amandes. Toi qui aimes bien la chouquette, ça doit être vachement bon. Ça a l'air d'être assez santé comme box. C'est une box pas gourmande et plutôt une box santé. Ouais. Non. Alors, ça, c'est du pain d'épices Maya l'abeille. Maya. Est-ce que vous aimez le pain d'épices au moins? Non. Ah oui. Tu veux goûter? Ah, j'aime bien. Ah, c'est dégueu. Ah. C'est dégueu. Ah. Alors, une confiture bonne maman. C'est du bonne maman. Ah non, c'est du caramel. Ça, ça doit pas être mauvais, ça, madame. Tout ça. Donc ça, c'est du caramel à la fleur de sel de Guérande de bonne maman. Alors ça, il faut que je goûte, c'est obligé. Je peux avoir un verre si c'est un truc qui est... Maman, je peux prendre un verre si... Maman, faut prendre un verre s'il y a des trucs... Ça va mettre sur les glaces, sur la brioche. Donc ça, je pense qu'ils vont pas piocher. C'est une soupe de chez Knorr, une soupe japonaise miso. Alors ça sera pour moi parce que j'adore ce genre de choses. J'adore tout ce qui est japonais, asiatique, thaïlandais, chinois. Enfin bon, tout ce qui vient d'Asie, j'adore. Et du coup, cette soupe-là, c'est des nouilles et des champignons shiitake. Donc, Shiitake. Donc ça, c'est moi qui vais la manger et c'est très bien, ça je suis très contente. C'est une soupe qui vaut 1,99€ et c'est pour deux personnes. Donc à qui? C'est à Milan parce que toi tu as pioché le caramel. Allez mon poulet. Alors ça? Alors ça, c'est pur nopal, fruit nopal, figue de Barbarie,
Ah bah c'est les fruits qu'on a achetés. C'est à la figue de Barbarie. Et donc c'est du jus de fruits de figue de Barbarie. Et ben on va goûter. Mais normalement c'est à boire très frais, mais on va goûter quand même. Ouais, moi non. Pas rien. Oh, c'est bon. Très bon. Mais c'est à boire frais. Top, top, top. T'aimes pas? T'aimes pas? Milan! Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est du lait d'avoine. Alors, lait d'avoine. Une boisson à base d'avoine riche en fibres et en délicieux goût naturel. Versée sur les céréales, dans le café. Pour faire un smoothie, bon, ça sera plutôt pour faire un smoothie parce que nous, on n'aime pas trop le goût naturel comme ça des végétaux. Ensuite, il y a donc dans la gamme Alpro aussi, on a une crème cuisine soja. Enfin, donc le lait, il valait 1,99€ quand même. Et là, la crème, elle vaut 1,39€. Donc ça, c'est une alternative à la crème qu'on met dans les plats, mais version végétale en fait. Donc ça, je trouve ça très bien. J'ai jamais essayé. Ensuite, on a donc des abricots séchés de la marque Cyberger. Donc 4,89€ quand même le bazar, c'est pas donné non plus. Peut-être que mon mari en prendra parce que comme il fait du sport et qu'il a un travail physique, des fois d'avoir des abricots qui est un sucre rapide, ça peut être sympa. D'autant plus que c'est un sucre rapide naturel, donc pourquoi pas. Après c'est vrai que voilà, c'est pas transcendant, mais... Et dernier objet, enfin dernier produit, c'est un thé tête-lait, c'est un thé vert sans amertume au citron vert. Donc ça, c'est top. J'adore le thé, j'adore le citron vert. Donc c'est génial. Ça sera bu. Et en plus, c'est des sachets, vous savez, qui se tirent sur les côtés. Donc c'est super pratique. Donc ce thé-là, il vaut 2,49€ la boîte de 20 sachets, ce qui est très raisonnable. Donc voilà, on a tout ouvert. Donc voilà, donc on a fini d'ouvrir cette box. Si vous êtes gourmande, que vous aimez les produits gourmands et les grignotages, etc., c'est pas forcément une box qui est faite pour vous parce que a priori le thème de cette box est plutôt santé, etc., des gammes bio, des trucs végétaux, etc. Donc je pense que c'est plutôt. Maman, on va couper la. Oui, mon ange. Donc voilà, c'est pas une box gourmande cette fois-ci, c'est plutôt une box pour se remettre en forme pour la rentrée. Ça ne me dérange pas du tout, sachant que moi je fais un petit peu attention à ce que je mange en ce moment. Les loulous seront peut-être un petit peu moins enthousiastes à ma poulette. Ça t'a pas trop plu ce qu'il y avait dans cette box cette fois-ci? Non, c'était un peu tristoun pour toi quoi. Hein, c'est pas très gourmand. Hein Milan? Oui, mais... ça te plaît pas trop? Mais si, ça me plaît. Ah. Donc voilà, donc on a fini cette vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est un ordre. Abonnez-vous. C'est Milan qui l'a dit, c'est pas moi. Elle dit abonnez-vous. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, il y a pas un... Abonnez-vous. Ben oui, faut pas rire non plus. Aussi des pas là pour rigoler bleus, quand même. Des pouces bleus. Des pouces bleus. Des pouces en l'air. Hmm? Là. Fais devant là, là. Devant là, là. Des pouces en l'air. Ça, ça, voilà. Donc sur ce, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, moi toute seule ou peut-être avec les loulous s'ils sont assez seuls. Donc on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye. Bye bye.